Ouais, tu sais. Je sais pas pour vous, mais moi j'aime pas ça les droits d'auteur. Je comprends quand on est un artiste, faut faire notre cash quelque part, là. Mais tu sais, me semble qu'être une grosse chaîne de télé comme, je sais pas, TVA, par exemple, là. Je laisserai une petite vidéo passer. Je comprends pas ce qu'est le big deal. Si quelqu'un copie ton concept, il te rend hommage. C'est un compliment. Puis en plus, ceux qui voient la copie vont sûrement aller voir l'original. Puis bam! Plus de views pour toi. C'est un win-win vraiment. C'est tellement débattable. Qu'est-ce qui fait partie de ton droit d'auteur? Comme là, je parle à une caméra, j'ai un prop dans la main et je chiale. La seule différence, je suis plus assis à une table. Là, je peux pas chialer de même. Ça ressemble trop à Fiston, Jonathan Roberge, qui appartient maintenant à TVA Média. Là, je peux pas faire ça de même. Ça ressemble trop au Vox Pop à Phil. Là, je peux pas chialer de même. Ça ressemble trop au rant de Rick Mercer. Mais moi, je dis non. Je me dis que dans l'ère dans laquelle on vit, on devrait un peu avoir le droit d'emprunter des concepts. Dans le fond, c'est pas mal juste ce qu'on fait, emprunter des concepts. Bref, s'il y a un truc qui m'énerve encore plus que perdre mes clés. Est-ce que tout le monde devrait avoir le droit de vote? Oh! Ah! Salut Fiston, ton premier char! Des fois, c'était intentionnel, des fois, ça l'était pas. Mais c'est presque impossible d'être vraiment original. Tout existe, puis tout est accessible. Il y a rien de nouveau, juste du recyclé. Les trois à recycler, réutiliser, puis. Quoi l'autre? La preuve, c'est quoi le plus gros film cette année? Star Wars. L'histoire d'une jeune héroïne sur une planète de sable qui rencontre un vieux dude qui l'aide, puis là ce vieux dude-là meurt, pour ensuite aller détruire une base capable de faire exploser une planète. Super original! Fait que voici, j'ai décidé que j'allais partir une nouvelle série. Ça s'appelle Ouin T'sé. C'est moi, assis, qui parle à la caméra, puis je coupe entre chaque shot. La seule différence avec avant, il y aura pas la musique des Dorothées au début puis à la fin. Ah tiens, une lettre. C'est quoi ça, une mise en demeure? Ah ben tabac! Ha 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 ha!